Soros, on va commencer à droite, donc on peut raccrocher la commande droite sur l'élévateur. Et allez, on se laisse tomber à droite, faut pas freiner l'extérieur, faut vraiment que tu te laisses tomber, tu vois, tu freines un peu ton extérieur avec la gauche, sinon ça peut pas partir, faut vraiment que tu sois penché, taqué à droite. Ok, bon elle est pas partie, vas-y relâche ta fermeture Robin. Ah donc en fait, on reste sur, on n'anticipe pas, tu vois, on a bien la main gauche bien relevée, et au moment où on tire la fermeture, seulement à ce moment-là, bam, on se laisse bien tomber côté fermé. Allez, quand tu veux. Allez, on se laisse tomber à droite, et on laisse partir, on laisse partir, on laisse partir. Voilà, tu viens forcément chercher un peu du contre, soit avec ta sellette, soit avec ta commande, pour pas que ça parte. Vas-y, laisse-toi tomber côté fermé, si ça veut y aller. Elle veut pas, hein. Ok, relâche ta fermeture. Reprends plus un cap quasiment droit vers le port. Ah, bien falloir qu'elle y aille quand même. J'ai testé, elle y va bien normalement. Ah, donc fais attention à ta main extérieure. Tu vas vraiment qu'elle soit bien relevée. Et puis, au niveau sellette, hein, bien penser à se laisser basculer bien tout sur l'appui sur la cuisse intérieure. Allez, on est parti. Et on se laisse tomber à droite. Allez, complet le parterre à droite. Eh ben bon Dieu. Ok, alors on va faire un truc, maintiens la fermeture, tu fais un bon appui sellette à gauche et de commande. Et là tu relâches, tu te penches tout à droite taquet. Et on la laisse partir. Eh ben putain. Ok, bah relâche. Ok, alors on va se remettre face décollage. Ok, petit tempo. Et on va tester un truc là. Tu pousses sur ton accélérateur premier barreau. Et à ce moment-là, boum, on va chercher la moitié. Allez. Voilà. Et là, on laisse partir. On laisse partir, on laisse partir, on laisse partir. Et hop, on contre à gauche et plus commande. Allez, on contre à gauche, on contre à gauche. On relâche le contre, on maintient la fermeture. Et là, on reprend notre contre pour être en vol stabilisé. Voilà. Ok, on peut relâcher la fermeture. Eh ben putain. Et qu'elle est pas si instable que ça, hein, cette petite Epsilon. Bien. Alors, ben, on est un peu plus bas, on se rapproche un peu de la berge. Ouais, je pense que tu vas pouvoir même filer directement sur la terre. Ouais, donc sur les premiers, c'est étonnant que ça parte pas. Je sais pas, au niveau position sellette ou même ne serait-ce que tu vois, départ, si on a un tout petit appui commande extérieure, bah, ça peut empêcher le départ en rotation.